Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages du lundi 23 au dimanche 29 octobre. Et on a dès lundi le passage dans, euh, du soleil dans le signe du scorpion qui rejoint Mars. Donc on va oser se montrer tel qu'on est, sans fioritures, sans masque. Euh, sans chichi, sans flafla. -fla. On va faire preuve de courage, de persévérance. Quand les gens nous diront non, on ira quand même parce que c'est ce qu'on ressent. Donc on fera confiance à sa boussole intérieure. On a travaillé avec la course du soleil dans le signe de la balance une dynamique où on va se positionner sans avoir peur de froisser l'autre. Du reste, en faisant preuve de diplomatie, on fait comprendre que c'est quand même ce qu'on veut. Donc il y a eu du travail de fait au niveau de l'image de soi du recentrage, se remettre au cœur hein, et euh, d'oser exprimer sa vérité, de se positionner, de poser un cadre. Et euh, voilà, dans l'image de soi, on a la confiance, l'estime, le respect, l'amour de soi. Donc tout ça a été travaillé et continue hein, avec la course du soleil. Forcément, on met en lumière tout ce qui a besoin d'être mis en lumière. Donc oser briller même quand il fait noir, quand euh, on, nous croit, on nous fait croire que c'est non. Voilà, euh, c'est un petit peu la foi aussi. Donc, euh, on va tout de suite aller demander aux cartes. Qu'est-ce qui, qu qui sort là Qu'est-ce qui se passe Allez, pour cette semaine, donc lundi 23 octobre, ah, alors, on a les amoureux. Ok. Il peut y avoir des vérités, euh, oui. Alors on a eu, eu aussi euh, des choses à travailler au niveau du regard de l'autre, euh, de la validation externe. Euh, quand je disais qu'on se montrait hein, sans fichi, sans fioriture, on y est. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Euh, on va se dépouiller aussi, j'entends, on va se dépouiller de l'inutile, on va se dépouiller du regard de l'autre hein, qui nous fait chuter peut-être parfois euh, dans notre espoir, dans nos croyances. Euh, voilà, on va aussi structurer et se rétablir. Enfin, ça, ça a été fait hein, déjà. Euh, on reprend sa liberté. Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, on a pris le temps. Hein. Ça a été une période assez, euh, comment dire, une traversée en solitaire, mais qui permet justement de mettre en lumière ce qu'on n'a plus besoin d'être aux yeux des autres, de, de ne plus être le bouffon du roi, euh, de plaire, d'avoir de, de, peur de froisser. Voilà, tout ça est en train d'être travaillé. Alors, très bien. On va dire ça c'est énergie, enfin, les énergies principales. Maintenant, l'articulation de cette semaine, notre état d'esprit, sur quoi il est porté. Alors c'est une... Oh, bah, voilà. On a alors le silence. Oui, on a travaillé avec des guides peut-être invisibles. Sa boussole intérieure. Regardez. Ah très joli. J'aime beaucoup. Regardez. Donc on a ce personnage qui croit qu'il n'y arrivera pas. C'est quasiment le même. Hein, J'y vois vraiment le même, sauf que là, euh, bon, il a une capuche, hein, donc on voit plus, euh, on voit plus ses cheveux, mais il se sent démuni, se sent euh, emprisonné. Il voit même pas la lumière au bout du tunnel. Et puis par la force des, des choses, il a l'impression euh, de végéter. De, euh, c'est pas top en termes d'estime de soi, euh, de se calcifier aussi. Il est dans le noir et puis il va en tirer une force, il va en puiser une certaine sagesse, c'est-à-dire celle de se connaître. Donc il regarde peut-être aussi ce qu'il n'a pas fait, euh, ce qu'il a laissé de côté, ce pourquoi il a procrastiné. Et au lieu de se flageller, de culpabiliser, il s'est recentré. Hein, on a la nuit et la lumière. C'est pour ça que je dis, c'est très intéressant. Vous Voyez comment... Euh, voilà, là on a donc ces, ces deux cartes. On a la nuit, jour. On dirait jacouille. Jour, nuit. Et là, voilà, on passe de la nuit au jour. Alors on a le signe du cancer qui va représenter notre intérieur, notre foyer émotionnel, ce qui nous sécurise et aussi l'extérieur qui nous valide, qui corrobore ce qu'on a nous-mêmes validé et ça c'est pas du tout la même dynamique parce que quand on a la sagesse, quand on sait euh, structurer que ce soit soi-même ou qu'on a le savoir de structurer les choses, en fait, on a un positionnement qui est à la fois une sagesse interne et euh, la découverte de l'autre, la découverte de l'extérieur. Le signe du Sagittaire, c'est la curiosité vers le monde, vers l'inconnu. Donc on sort aussi de sa zone de confort. Voilà un petit peu euh, les messages pour oser être soi et ne plus, euh, en fait, oser sans s'imposer. Voilà, petit jeu de mots. Euh... En imposer sans s'imposer aussi, vous voyez, c'est ça qui me vient, en imposer sans s'imposer. Donc là, ça se fait dans le silence, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de proclamer, de revendiquer, euh, on a une carte qui fait chute. Hein. Alors il y a peut-être des choses aussi euh, euh, qui peuvent être de l'ordre des non-dits dans le couple ou du... Comment dire euh, du dialogue silencieux, presque télépathique, entre deux personnes qui se connaissent bien. Il y a le langage du corps. On a deux personnes qui sont. Euh, on a les jumeaux cosmiques. Hein, euh, donc euh, voilà, on a la carte des gémeaux et des poissons, puisque ce sont les deux signes doubles du zodiaque. Alors très bien, deux signes mutables. On sait s'adapter à l'autre et être à l'écoute de soi. Voilà, elle est tombée. Alors je ne reviens pas sur cette carte. Hein, euh, on vient de, de l'évoquer. À court terme. J'allais dire, c'est très doux et je me suis tue que je me suis dit, attends, de voir ce qui tombe. Et eh ben j'ai bien fait puisque on a effectivement alors, la carte de Mars ou du bélier. Ça représente le nœud nord, la direction qu'on veut prendre. On a aussi alors, le signe du scorpion qui est ressorti avec le signe du bélier. Alors, c'est marrant puisque le soleil arrive cette semaine dans le signe du scorpion avec Mars. Donc, on pourrait y voir un travail euh, sur l'obscurité. On a le soleil, enfin, encore le soleil alors, couchant. Et euh, l'obscurité, ce qui nous vampirise, notre posture, c'est quand même un gentil... Euh, voilà, ce serait Edgar dans... Euh, pas Edgar, pardon. Edward dans Twilight. Pardon. <laughs> Edgar. Je ne sais pas pourquoi je l'ai sorti celui-là. Bref, combativité, abnégation, courage, audace. Euh... On a aussi, alors ce qui me vient, c'est se recentrer. Le challenge, ça va être peut-être de garder le silence ou de ne plus se taire, mais euh, dans une juste mesure. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me batte pour ça Ou je vais faire comprendre mon point de vue euh, sans entrer en, dans une humeur belliqueuse, euh, avoir envie de tout casser, euh, voilà. Faire entendre son point de vue. Ouais, alors on a ça qui est tombé. Ok. Alors il y a eu du rifi, hein. il y a eu des accusations, il y a eu des conflits, une opposition marquée. Hein. On n'est pas d'accord. Il y a même une séparation, une froideur, un gel, et euh, le besoin de confesser. Alors, j'ai l'idée d'une lettre. J'ai l'idée d'une lettre. Il y a comme une purification qui s'est faite dans le silence. C'est peut-être aussi du silence radio entre deux partenaires, mais une communication. Euh, J'allais dire presque enfin, immatériel, hein, c'est-à-dire en travers les rêves, euh, la personne, même si vous n'avez plus de nouvelles, vous en, vous rêvez d'elle, elle rêve de vous. Voilà, ça va dans les deux sens. Donc il y a pu avoir du silence dans le matériel, dans l'aspect euh, quotidien, concret, mais un autre dialogue, donc attention à ses pensées avec Gémeaux et Poissons, de se positionner aussi. Un travail de nettoyage et de recentrage, euh, c'est-à-dire plus besoin de validation interne puisque j'ai pris le temps de me recentrer. Okay. Entre ce que je ressens et ce que je dis, il y a un alignement. Ah, ça va être intéressant ce qui va sortir avec le tarot, j'ai l'impression. L'étoile pourrait sortir. Euh, L'arcane sans nom aussi. On a quoi d'autre maintenant en synthèse Bon, là, je ne vous fais pas de dessin, hein, enfin voilà, c'est avancé ensemble. Oui, il y a eu, ok, bon, il y a eu la figure euh, publique euh, du ciao, bye bye, mais pour autant, euh, une clôture, comme une barrière qui a été dressée, mais pas forcément... Dans l'invisible, il n'y avait, avait pas de barrière. Ouais, voyez. C'est vraiment une, une, peut-être une séparation concrète, euh, une, des accusations publiques. Là, il y a vraiment ce côté euh, Ouais, t'as vu euh, franchement ce qu'il a dit ou ce qu'elle a fait, c'était pas bien, machin, machin. Mais au final, euh, c'est comme si ce n'était pas aligné. C'est-à-dire, voilà, il y a, il y a eu des, des choses qui ont dû être travaillées des deux côtés, et notamment travailler le discours, la posture, euh, d'assumer aussi. Hein, je pense qu'il y a eu des, des choses euh, voilà, qui ont été tissées, des liens très très forts et une purification. On y a peut-être laissé des plumes là. Hein. Le mois d'octobre, euh, qu'on clôture avec la course du soleil, bien sûr, hein, parce qu'on n'a pas fini le mois d'octobre. Alors, il nous dit quoi le tarot On va compléter. J'ai envie de travailler avec les deux, voilà, de les mettre en exergue. Je ne serais pas étonnée qu'on ait les amoureux, hein, vu, vu ce qui est sorti. On a quand même deux fois, enfin trois fois même ici une carte de couple. Mais c'est aussi... Toi et l'autre. Hein. Donc, ça peut être euh, votre collègue, ça peut être vos parents, ça peut être euh, votre fratrie, si vous en avez une. Ça peut être votre votre amoureux, amoureuse, peu importe. Et Ouh. on se calme. Ah, les amoureux. <laughs> ok. Alors, posture de partage. Communication, réciprocité, équité. Là, c'est ce qui me vient avec le 6. Euh, l'avarice, la restriction, euh, l'économie, être gardé, être sur ses gardes, voilà, ce qui me vient, c'est ce qu'on libère. Alors, attendez, hop, c'est mieux. Donc, on libère tout ça. Il y a la notion d'être parti en voyage, hein, l'un sans l'autre, pour travailler l'estime de soi, euh, pour travailler la reconnaissance. Euh, vous savez, quand vous passez des années avec quelqu'un et qu'elle vous remarque même plus, vous vous sentez lésé, vous vous dites, non, mais, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Pourquoi elle ne me répond plus Pourquoi elle ne me voit même plus Au début, elle était comme ça. Et on tombe très facilement dans le, la rancœur, euh, dans le ressentiment. On prend sur nous au début, mais en fait, c'est du poison à l'intérieur. Donc après, euh, on pourrait faire des reproches à l'autre et le faire chuter. C'est-à-dire, mais attends, mais là, je découvre, je ne pensais pas que tu avais besoin de ça. Mais dis, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant Et donc, dissension, tension, machin. Là, on fait différemment. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens Pourquoi je ressens ça Est-ce que c'est. Alors, on ne va pas parler de légitimité ou de valeur, de est-ce que c'est valable ce que je ressens Mais c'est plutôt pourquoi ça me fait quelque chose Pourquoi je donne du pouvoir euh, Qu'est-ce que j'ai besoin que l'autre m'apporte Parce que je ne me la porte pas en réalité. Et parce que si on se la porte, on est comblé. Par essence même, on a rempli sa coupe. Euh, je vous rappelle, hein, derrière, on a la coupe, l'as de coupe, donc euh, on pourrait avoir l'as de coupe d'ailleurs. Ok, on pourrait avoir du 2 de coupe, le jugement, tempérance, euh, des cartes de 6 de deniers aussi, qui pourraient intervenir. Alors là, c'est du la tour, 5 d'épée, c'est tout ce qui est engueulade, croyance imitante. C'est aussi je mérite pas, ou bon, je mérite qu'on me traite comme ça. Donc euh, j'ai dit ciao peut-être un peu vite, ou je reviens sur certains, certaines choses. Euh, ça peut être des alors clôtures karmiques. Hein, ça peut être aussi de revenir sur certaines ruptures, euh, d'en voir un schéma. On va voir. Alors dans la position de l'aide, 3 de deniers. Regardez ce qui est resté. Euh, je l'ai tenu. Hein, je l'ai tenu avant qu'elle ne s'échappe de mes mains. Oui. Alors là, on a le partenaire et regardez d'autres de coupes. Voilà. Bon, bah, écoutez, 3, le, le partenaire de vie, la vocation. Alors ça peut être aussi par rapport au travail, pour les personnes qui chercheraient un nouvel emploi ou quelque chose de beaucoup plus euh, valorisant, parce que ce n'est pas forcément un nouvel emploi, mais une, voilà, une dynamique beaucoup plus valorisante, on vous dit, vous êtes dans votre vocation, vous faites le choix d'aller vers votre vocation, il n'y a pas de légitimité. Un appel du cœur. Quelque chose de, de voilà, c'est vocal, hein, j'ai vocatoire, vocal, euh, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la mission de vie, ça ne se discute pas. Donc vos choix ne seront pas discutés, ou du reste, vous n'allez Oh, ça va aller vite. Hein. Ouh, regardez ce qui vous attend. Ouh là là. La lune, la tour, le chariot et le 2 de coupe. Alors, si vous cherchez un nouveau contrat, positionnez-vous comme le contrat me cherche. Je suis, euh, voilà, le contrat me veut parce que c'est moi la meilleure euh, personne pour ce poste. Voilà, comme ça, je, je dégenre, euh, voilà, homme ou femme, hein, vous vous positionnez en tant que tel. Je suis donc la personne idéale, je suis voulu, euh, ce contrat me veut, ça peut être une maison, si cette maison vous veut, et bien voilà. Euh, vous êtes donc le propriétaire idéal pour cette maison, vous êtes la personne qui. A déjà les compétences, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Et un, un, c'est interne en fait, c'est quelque chose que vous avez déjà. Euh, là, c'est du au revoir président, il, pu, il, il y a pu pardon, avoir Mensonges, calomnies, scandale. Euh, et en veux-tu en voilà. On se croirait dans une émission de Bernard de la Villardière où c'est vraiment exposé comme ça et on se dit non mais attends qu'est-ce qui se passe là, voilà. Euh, donc on dit ciao. Ça peut être des démissions. Attention hein, ne pas euh, Enfin, je vous le dis parce que c'est toujours mieux, mais d'avoir quelque chose déjà dans la poche avant de démissionner. Euh, et d'aller. En fait, je pense que ça, ça vous a poussé à aller vers ça. Alors, ça peut être de vous séparer de quelqu'un euh, avec qui il y a du silence, avec qui il y a des non-dits, euh, avec qui c'est galère, en fait, c'est laborieux, c'est pas structuré, c'est pas voilà. Euh, mais j'ai pas trop cette sensation. Alors, pour certaines personnes, oui. Mais ça va représenter quoi Allez, 5% quoi. Pour le, le reste, je pense que c'est vraiment euh, de recoller à qui vous êtes vraiment et d'avoir en face la bonne personne, le bon contrat. Euh, ouais, il y a vraiment ce, une vérité, voyez, c'est plus authentique, c'est plus vrai. Alors toutes les cartes dont j'ai parlé sont sorties. Alors là, on aurait le cadre de bâton, le pape, on parlerait de mariage, d'union, même symbolique, c'est-à-dire de d'avoir en face... Une personne qui co-crée, hein, qui, qui vraiment avance avec vous, qui vous soutient, qui vous déroule le tapis rouge, pour laquelle aussi vous déroulez le tapis rouge pour ses projets. C'est-à-dire, vas-y mon chéri, je crois fort en toi, vas-y ma puce, t'es trop forte. Voilà, c'est ça un petit peu hein, ce que je ressens dans cette dynamique. Alors, ce Mars-là, ce bélier, qu'est-ce qu'il nous dit Asse De bâton. Ok, et on a le cavalier de bâton. Donc là, ça pulse, ça va vite. Va... J'ai jo Josiane Balasco là, qui dit ça va vite, ça va trop vite. Ok, alors beaucoup d'intensité après une période morne, hein, clairement, où on a dû euh, s'affranchir aussi. Regardez, ces deux postures, on a dû faire preuve de patience. Cette de denier, c'est le bilan, mais c'est aussi la maturation et euh, de s'affranchir aussi émotionnellement du poison des autres. Hein, quand les autres vous disent que ce pas possible et tout, euh, non, vous avez pris le temps, maintenant vous le sentez, vous y allez, tout simplement. Donc là, <coughs> chakra gorge. Euh, oui, l'as de bâton, nouvelle énergie, euh, le carburant qui est revenu, hein, donc on peut rouler loin, on peut aller vite, euh, on se sent en confiance aussi, on a une nouvelle, euh, ouais, une nouvelle manière d'être un peu plus... De, un peu plus de tonicité. Il peut y avoir des départs, des déménagements, euh, des voyages. Voilà, on a tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a La guérison. Hmm, roi de coupe. Guérison, maturité émotionnelle. Quelqu'un qui assume ses sentiments aussi. Ça peut être en face, ça peut être vous. Euh, au niveau du couple, même les liens endommagés qui ont été malmenés. Je dis, je dis ça sur Patreon parce que ça permet aussi. De se positionner, parce qu'on peut être en couple et avoir un lien malmené, on peut être en couple et avoir un lien euh, euh, qui est fort, solide, stable, etc. Donc euh, voilà, ça vous permet de vous positionner. Ok, il y a une guérison, il y a une ouverture du cœur, il y a de la discussion qui vient. Alors, entre la période de la balance et du Sagittaire, donc on est octobre, novembre, début décembre, mi-décembre voilà pour le long terme. j'ai l'impression qu'on nous ouvre une fenêtre et qu'on nous autorise à voir un petit peu puisqu'on est entre deux éclipses aussi. Hein. Euh, on a eu l'éclipse du 14 donc l'éclipse solaire avec la nouvelle lune en balance dans le signe de la balance hein. et euh, le 28 on a la pleine lune dans le signe du taureau et éclipse lunaire donc on a une éclipse solaire avec nouvelle lune en balance et éclipse lunaire avec pleine lune en taureau. Regardez le voyage, 8 de bâton, c'est un déferlement, il y a une cascade, il y a quelque chose qui s'accélère. Vraiment, ça, ça va trop vite, <laughs> ça va vite. Si vous avez cette scène, franchement, voilà, je pense que vous allez rire comme moi, je vais, je vais peut-être le regarder ce soir pour la trentième fois. Alors, qu'est-ce qu'on a en synthèse Qu'est-ce qu'on a en synthèse, s'il vous plaît mmh, Chariot et deux de coupes. Après un set de couple qui nous a été bien flou. Là, on a dû tisser dans l'invisible. On a dû repositionner aussi son, son petit volant, là, son petit volant de vie. Voilà, où est-ce que j'ai envie d'aller Qu'est-ce qui est vraiment significatif pour moi euh, Pourquoi je ressens ça Est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que c'est valable Et ça va me servir pour la suite. Euh, bah, écoutez, c'est franchement pas mal. On a donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois le couple. C'est quand même pas mal on va pas non plus euh, un chipoter maintenant petit bémol ici euh, <coughs> j'ai quand même la sensation que c'est moins grave que ce, qu ce que ça a pu être avant euh, qu'on fait preuve d'audace de courage qu'on peut être fait le premier pas euh, alors j'ai fait une vidéo là dessus dans les tirages intemporels elle date hein, mais elle est toujours valable puisqu'elle est intemporelle donc, est-ce que ça vaut le coup de faire le premier pas Est-ce qu'on laisse l'autre venir Alors, ça me rappelle aussi, euh, et je suis... Ouais, je, je, c'est pour les poissons, j'ai dit ça, pour la guidance d'Octobre des poissons. Euh, j'ai dit, en fait, vous vous regardez peut-être dans le blanc des yeux comme euh, deux personnes. Voilà, j'avais dit deux cons. Hein, vous vous regardez comme ça sans savoir, voilà, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est dur de revenir après une dispute ou après avoir lâché ce genre de, de, de dinguerie, en fait. C'est-à-dire, voilà. Euh, on lâche tout ce qu'on a dans le sac et la personne se prend ça en pleine poire. Alors il y a aussi une posture, un choix à faire au niveau de son temps libre, au niveau euh, ça je l'étudie, enfin, je, je fais travailler euh, au niveau du, du workbook pour les personnes qui ont choisi la prestation euh, susciter l'engagement, voilà parce que manifester des rencontres, ça va, hein, on peut sortir dans la rue, on rencontre, mais faire durer le truc, voilà, c'est vraiment euh, ce Positionner, avoir un regard sur soi, comment fonctionner euh, quand on est pris dans une tourmente en pleine dispute. Hein, on ne va pas avoir le recul en se disant merci pour cette dispute, j'en apprends beaucoup sur moi, waouh, c'est génial. Non, on réagit de manière humaine, euh, vas-y, tu me saoules, c'est bon, Pff, voilà. Donc, il euh, y a tout ça qui est en train d'être travaillé. Ouais, je vais prendre. Euh... Allez, encore un petit tour. Un petit tour de manège. J'ai envie de voir. Franchement, si on a euh, bah encore les amoureux et le dos de coupe, on pourrait avoir du cadre de bâton aussi. Alors, pour avoir plus de précision sur les amoureux, qu'est-ce que ça concerne Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur le contexte, s'il vous plaît, l'état d'esprit Alors, si vous êtes célibataire depuis un moment, bien sûr que vous allez rencontrer une personne qui sera à la mesure de vos standards, de, des nouveaux standards que vous avez posés. Alors, ouais, il y a... Euh, Attends, je me suis arrêtée, parce qu'il y en a deux qui sont tombées. J'en veux qu'une. Un message précis et clair, s'il vous plaît. Hop là, ça y est, c'est tombé. Reine de bâton à l'envers. Ouais, on arrête de s'oublier. On arrête de se laisser traiter comme une plante verte euh, qu'on aurait oublié d'arroser. On va soi-même chercher. Hein, c'est ce qu'on a osé. Euh, comment dire C'est pas de l'audace, mais c'est peut-être ce qu'on refusait de voir. Le jugement, c'est avant tout aussi euh, un... Wake up call, hein, c'est vraiment les trompettes qui nous réveillent. Et on se dit non, c'est plus possible, je peux plus me laisser traiter comme ça. En fait, l'extérieur me montre ce que moi j'ai abandonné, ce que j'ai négligé. Avec la reine de bâton à l'envers, c'est de la, de, la euh... ouais, de la négligence interne en fait. C'est-à-dire, euh, je ne pose pas le cadre, euh, euh, J'aime n'aime pas poser ses limites. Parce que dans limite, il y a limitation et ou limiter, donc on peut limiter l'autre. Par contre, si on lui dit écoute, ici c'est comme ça, c'est cadré. Là, il y a du respect. Parce que s'il y a des limites, il y a une rébellion, ça crée des tensions euh, inutiles. Par contre, quand on pose un cadre et on est très tranquille avec ça, on arrête de s'oublier. Donc c'est aussi une persévérance vis-à-vis -vis de soi-même, d'aller jusqu'au bout de la guérison pour être euh, en harmonie avec soi et donc avec l'autre. Alors quel que soit euh, là où vous en êtes dans le lien. Hein, que vous soyez en couple, pas encore, ou euh, fraîchement séparés, ou depuis longtemps, mais que vous, vous avez encore cette personne dans le cœur, je pense que vous avez été amené à arriver à ce point-là aujourd'hui. C'est-à-dire de penser bien que vous méritez. Alors si ce n'est pas encore le cas, euh, c'est peut-être tout un environnement euh, que vous ne voyez même pas. Le jugement, de toute façon, c'est enlever le sable des yeux. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment ouvrir les yeux et faire preuve de discernement. Voilà, euh, ça peut être aussi... Euh, de la structure, on voit la tisseuse, hein. c'est une personne vraiment très structurée, très dédiée, qui est vraiment euh, attelée à la tâche, qui est euh, presque. Euh, on voit que c'est froid. Alors ça se dégèle. Il y a un dégel. Alors là, on a euh, le mois de décembre jusqu'au mois de février, donc la fin de l'hiver, la fin aussi. Là aussi, on a la fin de l'hiver d'ailleurs. Hein. On a quelque chose qui, euh, qui commence à, à dégeler, qui commence à se décristalliser. Il y avait peut-être des situations qui étaient bloquées. J'ai déjà parlé de mise sous cloche. Donc, ça a pu être mis sous cloche le temps de travailler un aspect personnel, un aspect, euh, une vision de soi, et puis d'ouvrir les yeux, de faire le nécessaire, et ensuite de pouvoir de nouveau avancer. Donc, il y a eu des, des relations qui ont été complètement gelées, cristallisées. Euh, on en entend comme Freeze, vous savez, Mr. Freeze et tout. Enfin voilà, Freeze, euh, Arnold Schwarzenegger dans Batman. Euh, alors, on va prendre quoi maintenant Ok, je voulais juste cette précision. C'est vraiment une, euh, ouais, une posture. Hein. J'arrête de m'oublier, j'arrête d'être invisible, euh, j'arrête d'avoir peur en fait. Voilà, Il y a une peur de déplaire ici, qui, est assez, euh, qui était manifeste, hein, qui est, a été travaillée. Euh, on change de perception avec le set de coupe. Tout, tous les possibles sont ouverts. On sait qu'on va recevoir un cadeau de Noël. On voit les cadeaux sous le sapin. Euh, on ne sait pas lequel encore on va ouvrir en premier. Mais euh, ça peut être aussi la saison des miracles. Entre deux éclipses comme ça, il y a toujours des choses qui sont levées, qui sont euh, mises en lumière. Alors, on va aller maintenant regarder où vous en êtes. Alors, je vais prendre celui-ci. Allez, pour les personnes qui regarde cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Un message. Laissez du temps. Patience, ralentissement, lenteur. Alors, le temps d'être sur la même longueur d'onde. En équilibre, en accord et fluidité, il y a aussi euh, de dénouer. En fait, une rancœur, quelque chose qu'on n'a pas pu exprimer, on le garde à l'intérieur, c'est un poison. Un petit exercice qui peut être pas mal. D'écrire une lettre et de s'engager à la brûler, mais de s'engager aussi à aller jusqu'au bout, à tout sortir et à ne pas revenir dessus. C'est-à-dire, euh, quand on décide de pardonner, euh, dans le pardon, il y a nécessairement ensuite de l'acceptation et du lâcher-prise. Si par exemple, vous vous dites, mais voilà, mais moi, on me dit de lâcher-prise, je n'arrive pas à lâcher-prise, c'est qu'il y a encore un nœud émotionnel, et c'est sûrement de la rancœur, parce que vous n'avez pas pu tout exprimer, notamment, et c'est euh, ce que je déplore de notre époque, la propension et la facilité à ghoster quelqu'un, à la laisser dans le flou, dans le noir. Et malheureusement, on doit parfois faire avec alors qu'on se dit bah, je vis une véritable injustice, j'ai le droit de savoir, je mérite de savoir, sauf que, bah non. Donc il faut avancer et pour avancer, il faut lâcher prise. Et pour lâcher prise, il faut pardonner. Et pour pardonner, il faut libérer et il faut exprimer. Donc si vous n'avez pas moyen, parce que dire à quelqu'un ouais, t'es un salopard, connard, machin et tout, euh, on n'a peut-être pas envie qu'elle se prenne en pleine poire, mais on a peut-être envie de lui exprimer de manière beaucoup plus euh, adéquate et civile et feng shui, sauf que ce qu'on a à l'intérieur peut être stocké, et euh, même si on l'exprime poliment, en fait, cette colère, et derrière la colère, alors la colère est un iceberg, hein. euh, derrière la colère, il y a la tristesse, la frustration, la déception, le dépit, euh, la l'impuissance aussi, je pense, hein, là qu'il y a eu des situations où vous étiez complètement impuissant, impuissante, et que vous ne pouviez pas exprimer, euh, soit parce que la personne, imaginons, elle vous a bloqué, pareil, hein, pareil que du ghosting, ou elle claque la porte, voilà, elle va faire un tour pendant une heure et elle vous laisse seule comme ça, euh, vous démerder avec vos émotions. Eh bien, en fait, justement, l'écriture peut être un bon moyen, mais vous la brûlez, c'est-à-dire je m'engage Ensuite, à ne pas remettre sur, sur le tapis cette rancœur, euh, de, de libérer les ressentiments. Euh, quand on est curé, quand on dit « vas-y, je suis dégoûté bah, », c'est ça qu'on est en train d'exprimer. C'est-à-dire, on, on, on ressasse, hein, on le maintient, alors que si on l'écrit, on le brûle, on l'envoie euh, en disant « je m'en débarrasse ». Alors, vous pouvez brûler. Euh, moi, je ne vous conseille pas de planter dans la terre. Ce qu'on plante dans la terre, c'est pour s'en nourrir. Hein, donc, euh, voilà, euh, on brûle. Le vent va balayer tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire On peut déchirer. Maintenant, ce n'est peut-être pas très écolo. Euh, moi, je suis pour plutôt brûler, parce qu'en plus, c'est un acte magique. Enfin, on va dire, dans l'acte, il y a quelque chose de symbolique. Je m'en débarrasse. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, je pense, libérateur. Laisser du temps, c'est aussi se laisser du temps pour comprendre et pour faire le travail pour pouvoir être ensuite sur la même longueur d'onde. Parce que croyez bien qu'en miroir, si vous libérez tout un pan de rancœur, quand vous pensez à la personne, il n'y a plus ce, ces particules. Euh, voilà. Hein, quand on dit « Quel bon vent t'amène ?» José Garcia dans euh, « La vérité civement » dit, qui dit « C'est une tornade qui m'amène. » Et avec un mot euh, que YouTube euh, n'apprécie pas. Donc voilà. Euh... C'est effectivement ce qu'on transporte, en fait, invisible, enfin, dans l'invisible. Alors que si on s'en est libéré, quand on pense à la personne, il n'y a plus cette, euh, cette vibration, de frustration, rancœur, colère, machin, tout ça. Et elle, quand elle y pense, quand elle pense, elle commence à avoir du manque, à avoir une autre euh, vibration aussi. C'est-à-dire le vide que vous laissez, elle commence à se dire, euh, merde, j'aurais peut-être pas dû... Euh, traiter la personne comme ça, enfin vous traiter comme ça, elle commence à penser à vous d'une autre manière, c'est-à-dire au lieu d'être enfin, euh, répulsée, c'est pas le bon mot, mais en fait, dans les vibrations, ça je l'ai expliqué sur Patreon, j'en ai fait une vidéo d'à peu près 45 minutes, euh, ce qui est magnétique et ce qui est répulsif. C'est-à-dire que quand la personne en miroir, elle pense à nous. Et qu'on est dans certaines vibrations, l'énergie qui est véhiculée entre les deux, hein, télépathique, elle est pas bonne. Donc forcément, il y a quelqu'un d'autre au bout du fil et elle a tout de suite envie de raccrocher. Imaginez, vous, vous décrochez le téléphone, ouais, nanana, nanana, nanana. Non, non. Qu'est-ce que vous faites Vous raccrochez. Enfin, en tout cas, vous vous éloignez le combiné, c'est-à-dire, hop, loin de moi. Je n'ai pas envie d'avoir ça en pleine poire. Alors que si. Il y a un discours qui est calme ou une vibration de sérénité, de calme, de paix, euh, d'être en accord avec soi-même, de fluidité. Ça veut dire le nœud émotionnel euh, crée un nœud, c'est-à-dire qu'il n'y a déjà plus de fluidité. C'est comme un embouteillage, donc ça ne circule plus. C'est là où le chakra commence à dégonfler. Euh, voilà. Donc, se replacer au centre, se laisser du temps, écrire cette lettre, ou... Euh, ou l'exprimer. Vous pouvez aller au fond de votre jardin, dans la cabane ou dans le poulailler, à condition que les poules soient ailleurs. Hein, et vous lâchez, vous lâchez, voyez, euh, en acte symbolique, c'est assez fort pour que ce soit porteur. Mais surtout, alors quand je dis vous engagez à pas remettre ça sur le tapis, c'est-à-dire quand vous aurez l'occasion de discuter, ce sera pas pour régler vos comptes. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, et je pense que ça va euh, concerner des personnes qui auront un retour cette semaine de leur personne de cœur et si c'est pour régler ses comptes ce ne sera pas intéressant parce que en fait vous n'avez pas libéré, vous maintenez en fait ce que vous venez de libérer, vous le ramenez tiens allez hop, je reprends et c'est là qu'on parlerait de Ravaler son OK. Donc on libère, on libère, on libère très bien. jy passe du temps enfin je pense que euh, voilà celles et ceux qui veulent aller plus loin bien sûr il y a la plateforme Patreon. Bientôt, je mettrai ça sur le site web. J'attends que la fibre arrive chez mes parents, puisque je suis encore en séjour chez eux, et que euh, voilà, ce soit plus galère de charger des vidéos. Et puis, bah, sinon, ce sera en guidance privée. Euh, je vous mets les liens bien sûr sous la vidéo. On va voir maintenant. Hop là, elle a fait un petit tour et puis elle est rentrée. Regardez, c'est très très marrant ce qui vient de se passer. Revirement karma nostalgie, le passé qui revient. Alors c'était ce que j'étais en train de dire si. On le on ramène, on le rappelle, c'est-à-dire qu'on remet sur le tapis. Euh, C'est voilà, vraiment, euh, pour vous donner une image assez forte, ça reviendrait à plonger le bras euh, dans, le, dans le fin fond de la cuvette pour euh, en ramasser ce que vous venez pourtant de tirer par la chasse d'eau. quoi. Voyez l'idée. Bon, donc ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui tombe Ah, douceur et tendresse. Caliné et cocooning. Bisous, bisous. Prendre de la hauteur, mûrissement. Il y a aussi euh, passer une étape supérieure, se sentir magnétique et attirant, rayonner, être attractif. Une situation complexe qui va se décomplexifier, hein, je vous le dis tout de suite. Et on a ah, le passé qui revient en synthèse, distance à parcourir. Donc il y a eu de la distance. Il a fallu revenir sur certaines choses pour, euh, pour les adoucir. Donc c'est pour ça qu'on vous a demandé de la patience ou qu'il a fallu faire preuve de patience ou que tout était au ralenti pour pouvoir justement prendre de la hauteur et se sentir de nouveau valable. C'est le mot qui me vient. Maintenant, questions des questions. Alors je te ressens. Je vous ai parlé de communication télépathique. J'en ai fait une méditation d'ailleurs sur Patreon. Alors, Patreon, euh, vous pouvez vous abonner gratuitement, mais vous n'aurez accès à aucun contenu, euh, sauf du contenu que je pourrais mettre comme ça, voilà, mais je le mets sur Instagram, donc je ne vais pas faire en doublon. Euh, sur Patreon, vous avez, ou euh, Patreon, si on veut être un peu plus euh, anglophone, euh, vous avez donc des méditations, des vidéos coaching avec des sujets comme euh, euh, comment lâcher prise quand euh, les circonstances ne sont pas du tout favorables, comment gérer quand on se prend tout en pleine poire. Euh, les vibrations, les énergies versus ces vibrations, les signes versus les synchronicités, faire la distinction. Euh, bientôt, il y en aura sur le cerveau, les biais cognitifs, les distorsions cognitives aussi, cognitives pardon. Euh, voilà. Puis il y a des tirages tous les jours, des tirages à choix plus poussés. Hein, les tirages que je fais, c'est en général euh, une heure, ou alors euh, ça va être vraiment, euh, on va dire sous un format vidéo qui vous permet de prendre le temps. Donc voilà, vous avez tout ça, euh, et je parlais de la méditation de base pour dire que justement, euh, votre dialogue interne, quand par exemple vous fustigez quelqu'un, même dans votre tête, elle le ressent. Okay Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit laissez-vous du temps, peut-être de, de faire ce, cet exercice, hein, de, de libérer euh, et de brûler. C'est-à-dire, si je brûle, je ne reviens pas dessus, je ne remets pas sur le tapis. Je libère pour pardonner. Alors, pardonner euh, l'impardonnable, c'est des fois, en fait, juste exprimer et lâcher. C'est-à-dire, vas-y, je passe à autre chose maintenant. Voilà. Parce que des fois, euh, ça peut durer 10 ans, 20 ans de rancœur. Ça peut durer longtemps. Hein. Euh, c'est un moteur aussi, c'est un carburant comme un autre, mais euh, c'est peut-être pas très écolo. Voilà. Moi, je le vois comme euh, vraiment un truc euh, qui noircit tout. Alors que, euh, voilà, c'est. Ça embrume et ça ça empêche euh, on va dire si vous avez euh, euh, les mains comme ça euh, encore ligotées en fait ça vous empêche de prendre pleinement ce que l'univers à vous offrir ou ce que dieu a prévu pour vous en termes de dame sœur en termes de partenaire de vie en termes de nouvelle personne ou en termes de changement de la personne euh, de votre cœur voyez alors réunion Complétude, engagement, objectif ultime, prendre de la hauteur. Alors sachez qu'en face, elle vous sent bien. Là, pour le coup, euh, puis en plus, dans cette période, le voile hein, entre l'invisible et le visible est encore plus fin. Hein, C'est bientôt Halloween. Je vous prépare bientôt une vidéo. Et justement, alors j'ai un choix à faire. Réflexion, recul. Euh, je pense qu'elle euh, qu est en train de conscientiser que vous prenez de, beaucoup de hauteur, justement, beaucoup de hauteur, c'est-à-dire que vous allez euh, vous remettre sur le piédestal, hein, et vous allez, euh, vous allez arrêter de regarder euh, la vie passée sous, sous votre nez, euh, dans le sens euh, ça y est, maintenant, c'est pour moi, je grimpe. Une ascension, et elle, elle est en train de, de se positionner aussi. Hein. Oh, bah le passé <laughs> Vie antérieure, racine regardez alors, quelqu'un qui vous demande pardon aussi. Alors, elle vous le dira peut-être pas euh, à genoux, pardon et tout. Elle voudra revenir, peut-être dans une dynamique de libérer et de revenir, ou une dynamique de, de, de libérer et de ne pas revenir. Euh, vous choisissez aussi. Hein, mais voilà. Alors, quelles sont ses intentions Ça, on lui laisse. On ne va pas non plus euh, focaliser notre énergie euh, sur, vos, sur vos autres, parce qu'après, ça ne vous aide pas du tout à lâcher prise. Hein. Je me suis. Euh, euh, voilà, faux self et ses peurs. Bon, bah, là, elle est en train de... Elle passe un moment peut-être moins sympathique que vous, mais elle se rapproche. C'est-à-dire que, regardez, on a la distance à parcourir, on parle de rapprochement, voyage. Alors, elle sent que vous vous éloignez, donc elle se rapproche. Je vous avais parlé euh, de la vidéo de, de Snoop Dogg, où il y a eu des contretemps, où il disait, voilà, quand toi, tu t'élèves, tu, tu changes de niveau. Euh, tu mets tes standards plus haut, la personne qui était habituée avec toi à être là, en fait, toi, tu changes, tu t'élèves, euh, elle peut te demander, elle peut te tirer vers le bas ou elle peut te demander de revenir à son niveau parce qu'elle a peur d'évoluer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Soit tout l'investissement, la croyance positive, porteuse, euh, le temps qu'on y a passé pour s'élever vers là-haut sera perdu si on retourne en bas. Donc on peut patienter ou avoir l'impression de stagner, c'est presque pareil, mais c'est pas vécu du tout de la même manière, pendant que l'autre comprend que c'est elle de faire ce chemin-là. Vous ne ferez pas à sa place. Moi, j'ai déjà sorti euh, à, à quelqu'un de très proche. Si tu avais faim et que tu me demandais de manger, tu crois que tu aurais encore faim ou tu n'aurais plus faim du tout Voilà, Si c'est moi qui mange à ta place, donc c'est à toi de... Voilà. Si on est une équipe, ça veut dire qu'on joue à deux. Je ne suis pas la seule à jouer. Si je suis la seule à jouer, bah, je vais, je vais jouer solo. Je vais jouer avec. Je vais pas dire je vais jouer avec quelqu'un d'autre, mais voilà, ça peut pas fonctionner. Donc là, distance à parcourir, avoir des échanges, communication, dialogue, partage, c'est aussi euh, le temps d'être sur la même longueur d'onde. Donc vous avez pu le vivre comme une stagnation, une attente. Ça fait remonter des peurs aussi. Regardez, séparation. Alors qu'il y a eu de l'amour. Hein. Donc équilibre. J'ose, toi et moi, je sais que c'est nécessaire, réciprocité, et quelqu'un qui n'assume pas, et pourtant, elle pense bien fort à vous, vous êtes très spécial à ses yeux, mais elle doit affronter tout ça, elle doit. Elle est en pleine euh, hmm, fausse self. Alors je vous montre hein, juste, euh, voilà, parce que c'est euh, ni plus ni moins ce qu'elle peut vivre. Euh, pour vous rejoindre, elle doit affronter une certaine vérité qui est très dure. C'est-à-dire que quand on a passé des années dans le déni, à dire c'est les autres le problème, et que finalement on se rend compte que le problème est en soi depuis le début, ça fait mal, comme chantait euh, qui chantait, ça fait mal de vivre sans toi. Voilà. Mais je pense que vous avez dû faire des choix pour aussi qu'elle puisse faire ses propres choix. C'est-à-dire, ok, si je suis pas là. Je ne peux pas être tenue pour euh, responsable, je ne peux pas être encore euh, dans l'équation, parce que c'est plus possible. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre Je vais prendre celui-ci. Allez, un petit message. Ah, deux messages. Vous choisissez <laughs> Je vous lis déjà le dos de deck. Très coquin, Je j'aime bien quand mes cartes elles sont coquines comme ça. Regardez le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Ok, ça c'est dit. Maintenant, vous avez celle-ci ou celle-ci. Ok, vous choisissez petit tirage à choix à la fin, ça peut être sympa aussi. Alors. Je suis sûr que ça va de toute façon parler de la même chose, hein, que ce soit l'une ou l'autre. Mais bon, vous avez peut-être envie d'une précision vraiment pour vous, donc concentrez-vous fort. Les ailes, le cœur à droite, les papillons et la femme à gauche. Je commence par celle de gauche. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Et à droite. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Dites-vous, si vous résistez, si vous faites face à vos peurs, c'est pareil en face. C'est-à-dire si c'est non familier, inconnu, euh, c'est-à-dire que vous n'avez aucun point de repère. Hein, la famille, c'est un point de repère. Familier, famille, c'est pareil. Donc dites-vous, ok, je vais me créer ma propre famille, je vais me rassurer, je vais y aller pas à pas. Hein, puisque c'est inconnu, zone de confort, zone de peur. Hein, zone de peur familia, avec laquelle on se familiarise devient notre nouvelle zone de confort. Et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on évolue. On n'évolue pas comme ça, on évolue euh, comme ça. Alors, mais ça va vite, hein, je vous le dis, ça va aller très vite. Je pense que Mars en scorpion, Soleil en scorpion vont accélérer la cadence, et ça va être une, une valse assez sympathique. Alors, un message ici, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît Oh, du repos. Et quelque chose qui sort de la matière, qui accouche. Alors, on vous dit, êtes-vous sur le point de donner vie à un projet, une idée, une nouvelle habitude ou un petit être Si tel est le cas, les meilleures conditions sont réunies pour une heureuse issue et un grand bonheur. Très bien. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre C'est à vous de voir. C'est votre, votre cœur, il sait. Hein Mais en dépit des circonstances, voilà, il peut y avoir aussi des choses à libérer. Et, et de, de ne pas tout de suite réfléchir, de ne pas tout de suite prendre de décision aussi. Euh, voilà, laissez-vous du temps, c'est ce qu'on vous dit. Repos, congé, délassement. Il est temps de vous accorder une pause qui vous permettra de prendre un recul bénéfique sur la situation. Si vous avez l'impression d'être submergé, accordez-vous un temps de réflexion, rencontrez des amis, demandez-leur un avis, vous y verrez nettement plus clair. Alors, l'avis des autres, l'avis des autres. Mais bon, ça c'est... Euh, voilà. Alors euh, en dos de deck, c'est intéressant d'avoir le contexte. J'ai regardé, je ne regarde pas. Euh, mais on a quand même miton mitaine, qui ne fait ni bien ni mal. La, je vous ai dit, un hein, statu quo, une situation gelée qui se décristallise, qui se dégèle. La situation est bloquée. Donc ça vous quittez. Non pas à cause d'une personne malveillante ou de malchance, mais le temps n'est peut-être pas encore venu. Donc le temps n'était pas encore venu pour avancer. Dans cette attente, pensez à ce qui pourrait se jouer en votre faveur. Une personne, une action, un silence. Des fois, le silence, c'est le meilleur gardien pour éviter de dire beaucoup de conneries. Donc voilà. Euh, un message de Joe pour, pour clôturer cette vidéo. Magnifique. Donc des énergies du 23 au 29. Joe, as-tu un message, s'il te plaît Alors il y en a un qui a voulu sortir. Ouais. Il a voulu sortir, il est re-rentré. C'était mauvaise tentative, elle sait plus tard. Ben plus tard, c'est maintenant. Donc comment on fait pour que cette tentative soit porteuse On arrête de tenter, on ose. C'est plus audacieux. <laughs> ok, franchement, c'est déjà pas mal, non Bon, ça y est. Le tirage est fini. Quand Joe nous dit ça, ça veut dire qu'on en sait déjà beaucoup. Et on va avancer avec ça. Et on vous dit prépare-toi au positif, ça va te changer. Voilà, donc euh, prépare-toi au positif, ça va changer. Voilà les amis, vos, euh, votre vidéo des énergies du 23 au 29 octobre. On clôture bien, on a quand même le pardon. Euh, si ça vous intéresse, alors sur Patreon, normalement ce week-end est sorti, je dis bien normalement parce que c'est euh, toujours euh, en fonction de ma voix pour une méditation. Euh, si en plus j'ai la, la gorge acérée comme euh, un traverse, enfin quelqu'un qui traverse le désert. Euh, la déglutition, méditation, c'est jamais top, hein, de, de voilà, lâcher prise avec quelqu'un qui fait des bruits de bouche. Donc, on verra comment je me sens, mais il y a une méditation qui porte sur comment persister, avoir la foi, c'est-à-dire maintenir ce qu'on qu sait au fond du cœur, alors que tout nous indique l'inverse, donc faire preuve de courage et de lâcher prise. Donc, ça va être le thème de cette méditation. Il y en a une sur l'enfant intérieur. Les commentaires sont juste géniaux. Euh, je suis ravie des sensations que ça procure aux personnes qui ont, à, euh, qui ont juste franchi le pas de faire cette méditation. La communication télépathique avec votre autre. Je les mettrai aussi sur le site web en achat. Comme ça, si vous n'avez pas envie de vous abonner mais que vous avez envie d'un achat ponctuel, ça peut être aussi une solution. Et puis je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve bien sûr très très vite. Sur Instagram il y a du contenu, beaucoup de contenu, vous pourrez aller voir, hein, il y a des tirages aussi, euh, les tirages de la semaine bien sûr, qui est déjà enfin euh, qui est sorti au moment où je vous parle. Et puis euh, des tirages spéciaux, notamment qu'est-ce qui vous attend pour les dix prochains jours, donc avant le 1er novembre. 1er novembre au 11 novembre, hein, du 1 1 1 1 1 1 1 1 donc on va aller voir mystère jusque là, je vous aime je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très, très vite. Bye, ciao.